trouvé un frère dans le ministère avec plusieurs apostoliques. Il s'appelle Frère Joseph Lumanza et il habite à Congo, Brazzaville, où là, vraiment, sa résidence est là. Johannesburg, Zurich. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, je vais dire que Dieu vous maudisse. Non. Et quand on dit que Dieu vous bénisse, les gens, certains ne disent pas amen. Vraiment, dire que le meilleur, la meilleure phrase que vous pouvez dire à quelqu'un, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand on vous dit que Dieu vous bénisse, vous devez répondre amen. Amen. Vous dites, ainsi soit-il. Je veux cette bénédiction. Amen. Vous savez, une fois je suis parti aux États-Unis. Je vous m'attendais à, comme vous voyez, quelqu'un qui repartait au quartier général pour aller se ressourcer, avoir de l'onction, avoir de l'inspiration, avoir la puissance, parce que c'est de là que nous est parvenu le message. Amen. Mais arrivé là-bas, j'étais vraiment déçu. Vous savez quoi? La première des choses, on me donne la chair pour prêcher. J'arrive, je dis aux gens, que Dieu vous bénisse. Aucune réponse. Les gens me regardent. Et directement, ça m'a froissé. J'ai eu peur, j'ai dit, peut-être les gens-là ne sont pas d'accord avec un noir qui vient leur prêcher. Alors, bon, je n'ai pas voulu insister, comme c'est la première fois. Puis, prions le Seigneur pour lire la parole. J'ai pris, on lit la parole, j'ai pris, et puis j'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Personne n'a dit amen. Toute l'église était calme. Et puis, j'ouvre les yeux, tout le monde avait les yeux ouverts. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils ont prié? Ils n'ont pas prié? Alors, à partir de là, j'étais déjà dérangé. Mais j'ai pris mon courage, le Saint-Esprit a pris le dessus. La prédication est sortie. Et pendant que la prédication sortait, aucun amen. Alors tu ne sais pas s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Si, si. Alors ça a dérangé le Saint-Esprit. Ils sont sortis. Ah, j'étais vraiment dérangé. Une très bonne prédication, hein. Mais très dérangé. Alors, à la sortie, les frères, chaque frère, que Dieu te bénisse, c'était merveilleux. Tu as touché mon cœur. Et la majorité de l'église, tout le monde disait que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse, c'était très bien. Alors, j'étais troublé maintenant. Des gens que j'ai trouvé calme comme de l'eau froide. Après, ils me disent qu'ils étaient bénis. Alors, je n'ai pas compris. Vous savez, il est vrai, j'ai causé avec Frère Gilbert hier, j'essaie un peu de parler de ça. Alors, j'ai un peu relevé ça. Alors, je lui disais qu'il y a quand même quelque chose de spécial en Afrique. C'est que les gens ont une certaine manière de répondre à la parole. On ne dit pas d'être excité, de fabriquer, de se comporter, se rouler par terre. Non, il doit y avoir une réponse. Entre le Saint-Esprit et vous. Vous savez, si ça fait mal, on pleure. Si ça fait du bien, on se réjouit. Si c'est ça, on dit amen. Si ce n'est pas ça, on ne dit pas amen. Donc, alors, quand on ne dit pas amen à tout, on se demande si ce qu'on dit, c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Alors, Frère Branham dit ceci. Une religion sans émotion, elle est morte. Il faut qu'il y ait une émotion. Il faut qu'il y ait une réponse. Alors, souvent, les frères blancs disent, non, vous savez, les noirs, ils sont comme ça, ils sont émotifs, ils sont... Ils sautent, ils sont un peu trop chauds, même dans leur musique et tout et tout. Mais frère, ce n'est pas vrai. Parce que le rock and roll, ce n'est pas un noir qui a inventé ça. N'est-ce pas? Le
noir. C'est un blanc, Elvis Presley. Et vous voyez comment il danse ça. Même en Afrique du Sud, quand vous prêchez, c'est trop froid parmi les blancs. J'ai dit au frère Blanc, dit non, soyez sérieux. Quand il y a le match de cricket, vous connaissez le cricket? Le match de cricket. C'est des Indiens qui jouent ça beaucoup là, ils sont champions ça. Avec un bâton là, on tape un ballon là. Mais il faut voir comment tous les blancs et les frères sont contents, ils sautent. Même pas ça, le match de football. Le mondial. Je suis avec un pasteur blanc, il me dit, frère, oh, le Sénégal est en train de bien jouer. Et je me pose la question, quand est-ce que lui a le temps de suivre le Sénégal? Et vous voyez que quand on marque dans un match, même tout le monde, à la même minute quand c'est marqué, le monde entier à l'unisson pousse le même cri. Vous savez ça? Oui. Wow! Le cri là, c'est dans le monde entier. Donc ils sont reliés quelque part par les ondes. Et vous ne voyez personne au match bras croisés. N'est-ce pas vrai? Les gens participent. D'accord. Je vais dire la vérité. Les gens participent. Il y a une participation. Dès que nous sortons ici dehors, frère, regardez comment nous causons. Nous rions. On dit des choses, on se taquine. On participe. Il y a une émotion, qui un feeling. Mais avec Dieu, il doit y avoir quelque chose. On ne peut pas rester là indifférent. C'est pas vrai. Notre cœur n'est pas touché. Vous ne pouvez pas dire que Dieu m'a parlé dans le cœur. Non. Ton cœur doit être impliqué. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La prédication. Un jour, j'ai pris certains frères de mon église et certaines sœurs, je les ai amenés en Afrique du Sud. C'était une convention que frère Roscoe connaissait. Je ne vois pas avec lui de même façon sur tous les points. Mais certaines choses, quand c'est bien, c'est bien. Ouais. Même si c'est fait par quelqu'un avec qui vous ne voyez pas la même chose. Ouais. C'est ça que j'apprécie avec frère Manam. Il était honnête. Amen. Vous me suivez? Amen. Frère Manam, il appréciait des choses chez les pentecôtistes. Il dit ça, les pentecôtistes nous dépassent. Ouais. Vous suivez ça? Amen. Hein? Il dit merci pour la science. La science ici a amené les gens plus loin que nous les prédicateurs. Donc il y a quand même une reconnaissance quelque part. Même si un frère ne voit pas comme moi, mais quand il y a quand même une bonne chose chez lui, j'apprécie ça. Alors, j'ai amené, il m'a invité pour une convention. Ils sont partis. J'avais prêché une prédication entrant Joseph par les 12 portes. Je crois que j'ai amené ça aussi ici, dans mon église. C'était une prédication qui avait duré, je crois, 1h30. Alors, quand nous sommes arrivés à la convention, j'ai commencé à 17h30 la prédication. Et elle a fini à 22h30. 5 heures du temps. Personne n'est somnolé à l'église. Vous voyez personne? Non. Tout le monde était debout. Du début à la fin. 5 heures du temps. Alors les frères de mon église ont dit, oh pasteur, tu avais, comment on dit, tu avais saboté cette prédication chez nous. J'ai dit, je n'ai pas saboté. Frère Valente, que la profondeur appelle la profondeur. Il y avait tellement une profondeur dans l'église. En fait, quand nous venons ici, nous prions. Nous avons le sujet. Mais en fait, tout ce qui se passe ici, c'est vous qui le faites. Tout dépend de votre capacité de soutirer. Je vais prêcher pendant 15 minutes, comme je vais prêcher pendant 30 minutes, comme je vais prêcher pendant 10 heures. Dès qu'on met d'accord, personne ne se plaindra. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de vous. Vous devez participer. Le Saint-Esprit doit se sentir
la bienvenue. Amen. Voilà que, sœur, tu es une chrétienne. Il dit, tu sais, tu me te poses la question, comment je connais? Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Il dit, c'est parce qu'il y a une vibration qui vient de toi. Il dit, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit se sent la bienvenue. Et ton esprit souhaite la bienvenue à mon esprit. Qui peut dire amen? Que le Saint-Esprit sent si vous aimez ce qu'il dit ou si vous n'aimez pas ce qu'il dit. Et la manière que vous réagissez. Le pasteur peut travailler, mais il ne peut vous donner que selon votre profondeur, l'atmosphère que vous créez. Frère madame, est-ce que vous savez que dire amen, vous êtes en train de mettre, c'est comme si vous êtes en train de mettre de l'huile à la machine du pasteur. Donc chaque fois qu'il y a un amen, vous engraissez la machine et le moteur du pasteur continue à tourner. Amen. Il y avait un pasteur, un prêtre qui prêchait, et frère madame était assis. Alors il prêche, et puis il va, salut frère madame. Il revient encore. Il prêche, et puis il va encore, il salue frère madame. Il revient, il prêche. Alors à la fin, frère madame dit, frère, je n'ai pas compris pourquoi chaque fois que tu prêchais, tu devais venir me saluer. Il dit, non frère madame, quand j'ai prêché, que je sentais que la batterie s'est déchargée, je venais d'essayer de recharger la batterie. Amen. Amen. Il dit, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles parmi eux à cause de leur incrédulité. Amen. Il y a des endroits où, frère madame, il y a des endroits. Il dit, en Afrique, je n'ai pas besoin de faire 4 discernements. Il dit, une seule personne. Dès que j'ai discerné une seule personne, il dit, toute la masse croit et se met debout. Les gens commencent à jeter leurs béquilles, leurs chaises roulantes et les aveugles voient à cause d'un seul miracle. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Je crois que vous êtes des Africains aussi. Amen. Que la froideur des blancs ne vous attrape pas. Amen. Il est vrai que l'île Maurice connaît un développement plus que nos pays. Vous êtes un peu plus développé que nos pays. Il reste encore en arrière, mais faites attention, il y a un esprit de développement qui frappe les gens. La facilité bancaire que vous avez, l'argent facile que vous avez, les conditions faciles, les soins médicaux faciles, tuent la partie spirituelle. Nous qui n'avons pas ces choses chez nous, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas même les médicaments pour te faire soigner, alors à ce moment-là, il n'y a que Dieu qui compte pour toi. Amen. C'est pourquoi la partie spirituelle reste un peu plus vivante. Amen. Mais nous ne devons pas laisser tomber ce feu. Amen. Amen. Que Dieu nous a déjà donné. Je prêche parmi les frères indiens, excusez-moi de parler un peu de cette manière, en Afrique du Sud, ils sont calmes. Mais je vais en Inde. Je prêche parmi les mêmes Indiens, ils réagissent comme les Africains. Ils disent amen, ils sortent, ils sont contents. Ils prient beaucoup. Je suis reparti en Afrique du Sud. J'ai dit, vous êtes des Indiens rétrogrades. J'ai vu des vrais Indiens en Inde. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que y a, les milieux peuvent tuer l'Esprit de Dieu. Ne laissons pas cela. Amen. Le Saint-Esprit a besoin de se mouvoir par lui. Il faut même que sentez-vous libre. Oui. Une sœur était dans l'église. Après la prédication, elle s'est sentie très malheureuse. Elle s'est sentie très mal. Elle est allée voir Frère Bonhomme. Elle dit, Frère Bonhomme, vraiment je ne me sens pas bien. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, quelque chose est arrivé. Elle dit, quoi? Elle dit, je ne me sens pas bien. Il dit, quoi réellement? Il dit, pendant que tu prêchais, quelque chose me disait de dire amen. Mais j'ai résisté. Je me suis gêné que les gens ne se moquent pas de moi. Alors, frère Branham dit, sœur, c'était l'ange du Seigneur
Il dit, tu as blasphémé. Il dit, il fallait dire amen. Alors, depuis ce jour-là, j'ai commencé à étudier. Alors, j'ai découvert maintenant beaucoup de citations. Il dit, quand vous sentez de dire amen, il dit, c'est l'ange de Dieu qui est à côté de vous. Amen. Qui vous dit de dire amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Alors, n'empêchez pas, mais ne résistez pas à l'ange. Amen. Amen. Quand on vous dit que Dieu vous bénisse, vous devez être les premiers à dire amen. Amen. Parce que aujourd'hui les gens vous maudissent, même pas par parole, mais par leurs pensées. Alors quand quelqu'un vous dit que Dieu te bénisse, tu dois profiter de ça. Amen. Parce qu'une parole, c'est une prophétie. Amen. Comme elle est sortie, elle va arriver. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout pour la parole de Dieu. Je vois que vous allez toujours m'aimer. Amen. Je vais donner un petit sujet. Je voulais introduire, mais je n'ai pas pu imprimer l'introduction. Mais on va inverser, c'est la même chose. Ce que je vais donner aujourd'hui, je vais donner jeudi. Je vais quand même donner quelque chose qui nous rapproche de la vie de Dieu. Amen. Parce que le poids que j'ai, c'est un peu différent des docteurs et des autres ministères. J'ai souvent le poids de voir des gens dans une relation étroite avec Dieu. Alors, il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Il y a de nos enfants qui grandissent, ouais, qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors, nous avons toujours le poids de ramener toujours cette expérience parmi les enfants de Dieu pour essayer de faire que tout le monde participe au bénéfice du Saint-Esprit. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, je me sens parmi mes frères, je me sens au ciel. L'atmosphère que tes enfants ont créée ce soir, à cet endroit, Père, comme c'est merveilleux. Puisses-tu, Seigneur, les bénir, Père, combien ils sont humbles de cœur, combien ils sont amoureux de toi, Seigneur, combien ils t'aiment, Seigneur. Laisse que tu les bénisses richement. Je les abandonne entre tes mains. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Il y a parmi nous, Seigneur, sûrement les gens qui sont malades. Nous les déclarons guéris dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qu'ils retrouvent leur solution, Seigneur. Seigneur, que ceux qui sont affligés, qu'ils soient consolés, Père. Tu as dit, je leur ai envoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Seigneur, oh Dieu, nous croyons que la parole qui va sortir ce soir va, Seigneur, circoncider nos cœurs, va nous positionner dans ta présence. Alors que nous lisons cette parole avec action de grâce, humblement, de cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le pasteur Nanda. Combien je l'apprécie. Combien je me sens petit à côté de toi. Combien, Seigneur, oh Dieu, je le vois dédié à toi. Je ne sais pas, oh Dieu, exprimer réellement les sentiments qui remontent du fond de mon cœur. Mais tout ce que je peux te demander, Seigneur, c'est que tu le bénisses. Tu connais le désir profond de son cœur. C'est de te servir, Seigneur. Même par son propre témoignage, il abandonna son bébé, Seigneur, de quelques jours pour aller te servir dans les champs de mission. Et depuis lors, son cœur est dirigé vers l'extérieur. Il n'est pas, Seigneur, égoïste, Seigneur. Pas de motif selfish en lui, Seigneur. Il regarde le royaume. Seigneur, bénis le Père. Remplis le Seigneur. Laisse que son grand désir de te servir, Père, puisse réellement s'accomplir. Seigneur, notre Dieu, je crois que tu le feras. Bénis sa charmante épouse qui le soutient dans ce combat, Père. Laisse que tu la fortifies. Tu la consoles, Seigneur, Jésus. Parce que, oh Dieu Tout-Puissant, Frère Valam dit, toujours c'est difficile que les femmes, les serviteurs de Dieu, doivent supporter tous les coups, Seigneur, de leur mari alors qu'ils te servent au front, Seigneur. Laisse que tu la fortifies, Père. J'abandonne toute l'église entre tes mains, Seigneur. Je crois, Père, que nous quitterons cet endroit béni de ta part, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12.
Je sais. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que Dieu bénisse avec sa parole. Amen. Nous asseoir. Amener un message de réconciliation. Parce que Jésus a dit, la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Amen. Et je crois que le message ici, c'est un message de réconciliation. Réconcilier Dieu avec l'homme. Ramener l'homme dans sa position avec Dieu. Mais quand on parle de réconciliation, c'est que il y a eu coupure, d'accord, il y a eu divorce. Alors Dieu doit à nouveau réconcilier l'homme, ramener l'homme à sa position d'origine, dans cette communion intime avec Dieu. Et il doit pouvoir, comme il est Jéhovah Jiré, il pourvoira lui-même. Remarquez, Dieu est très sage, sachant qu'un jour il va demander à Noé le sacrifice. Il s'est arrangé pour que les animaux aussi entrent dans l'arche. Amen. Parce qu'il ne voulait pas que quand Noé va sortir de l'arche et que Dieu lui demande le sacrifice, qu'il commence à se battre, à se débattre pour trouver le sacrifice. Amen. Donc, Dieu a préparé d'avance les animaux pour entrer. Amen. Ils se sont multipliés là-bas. Et quand Noé sort de l'arche, il trouve déjà quelque chose à offrir à Dieu. Amen. 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 Abraham, Dieu lui demande de donner son fils. Il se retrouve à la montagne, prêt à tuer son fils. Dieu l'arrête. Il dit, regarde, quand il regarde à sa droite, il trouve un bélier dans les épines, accroché. Et il dit, il appela cette montagne Jéhovah Jiré. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Dieu pourvoit lui-même. Parce que si Dieu nous demande quelque chose, il ne nous demande pas de fabriquer cette chose-là. Lui-même pourvoit un moyen pour que nous puissions faire cette chose. Je sais que Caïn n'a pas compris. Caïn n'a pas compris que après que Dieu te demande de l'adorer, tu dois aussi attendre que lui pourvoie son adoration à lui. La seule manière pourvue par Dieu pour l'adorer. Le seul lieu pourvu par Dieu pour l'adorer. Vous voyez que tout est, doit être pourvu. Et vous remarquez que Branham a prêché beaucoup de sermons dans ce sens. L'approche pourvue. Amen. La voie pourvue. Le lieu pourvu. Donc
pourvu. Amen. N'inventez rien, Dieu n'accepte pas les choses. Amen. Dieu doit pourvoir lui-même. Amen. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Amen. 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 Alors, Dieu aussi a pourvu un moyen de nous réconcilier. Nous ramener à lui. Et ce moyen-là était par le sang. Amen. 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 Par le sang. Mais pas seulement par le sang. Confirmé par le feu. Amen. Alors c'est pourquoi nous voyons déjà, regardons un peu ensemble dans Genèse 3. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez que quand Dieu chasse Adam, le chemin pourvu pour rentrer au jardin d'Éden, il a mis des chérubins qui manipulaient une épée enflammée, une épée de feu. Alors, vous savez très bien, quand on écrit ça, il n'y avait pas encore la métallurgie pour fabriquer les métaux. Vous êtes sûr avec? Et qu'au ciel, il n'y a pas de minerais. C'est que l'épée que ces anges manipulaient ne pouvait pas être un épée matériel, au vrai sens du mot. C'était un symbole. Et nous savons que l'épée, c'est la parole. Vous comprenez? Donc, pour retourner au jardin, le chemin pour retourner au jardin d'Éden était gardé par une parole. Mais cette parole était flamboyante, une parole en feu, une parole feu. C'est la parole, mais en même temps c'est du feu. La parole de Dieu c'est le feu. Pour garder une épée, parole en feu, laisse-moi mettre ça comme ça. Pour garder, vous posez la question, pour quelle raison Dieu va mettre une épée en feu flamboyante avec les chérubins en train de manipuler. Et je vais vous dire que ces chérubins-là ne sont pas des simples anges. Ok? Ce sont les théophanies des cinq ministères. Parce que quand il s'agit de la vie humaine ou de la parole, Dieu ne confie pas ça à des simples anges. Dieu confie ça aux Éphésiens 4. Donc, les chérubins, quand vous entendez chérubins, ce sont les représentations des cinq ministères. Faut madame dit, les mêmes anges que Dieu avait mis pour empêcher l'homme de toucher l'arbre de vie, aujourd'hui Dieu a mis les mêmes anges qui ramènent l'homme à l'arbre de vie. C'est pourquoi quand votre pasteur se tient derrière la chair, il faut le respecter. Parce que c'est l'ange du Seigneur que Dieu a placé pour veiller sur vous. Donc vous ne voyez pas que c'est un simple homme, c'est un ange. Le pasteur, c'est un ange. Je ne sais pas si vous dites amen. Faut que sachez que c'est un homme. Il commettra des erreurs. C'est un humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son surveillant. Dieu en a fait son évêque. Alors, les erreurs que Dieu place souvent dans les serviteurs de Dieu, c'est pour fermer la porte à ceux qui ne sont pas prédestinés à aller au ciel. Vraiment que Dieu habille son serviteur et lui donne un caractère, une manière
poussait les autres à murmurer et à s'éloigner. Comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment un homme de Dieu peut faire? Faites attention. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dieu en a fait son serviteur parce que c'est qui? C'est un chérubin. Il manipule l'épée de la parole. Faut m'explique ça très bien dans les âges de l'église, vous pouvez trouver ça. Je crois dans les 24 anciens, vous allez voir comment il explique que les aigles et l'homme et tout ça, c'est évangéliste, ainsi de suite, et le pasteur, le bœuf, c'est le pasteur. Voyez? Voyez-vous? Un bœuf, c'est le pasteur. Et l'évangéliste, c'est l'aigle avec le prophète. Et vous savez qu'est-ce qu'elle apporte? C'est les lions. C'est quoi? C'est les apôtres qui vont en par devant. Les lions vont, ils courent. Ils préparent le terrain, alors les autres. Et le docteur, c'est l'intelligence. C'est l'homme. Vous voyez que les chérubins, ce sont les cinq ministères. Alors, regardez que ces chérubins manipulaient la parole, mais pas n'importe quelle parole, frère. C'est ça le problème. Il ne suffit pas d'avoir l'épée. Mais cette épée doit être comment? Flamboyante. Parce que cette épée ne se trouve qu'avec des chérubins qui gardent l'arbre. C'est pourquoi vous allez voir, Josué dit aux enfants d'Israël quand ils traversent le Jourdain, il dit, quand vous verrez les sacrificateurs ou les lévites qui portent l'arche. Ouais. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, il y avait beaucoup de lévites, mais tous ne portaient pas l'arche. Ouais. Ne suivez pas tous les autres. Ouais. Suivez ceux qui portent l'arche. Ouais. Quand vous les verrez, amen. Ouais. Vous verrez ceux qui portent l'arche. Alors soyez derrière eux. Ouais. Parce que c'est l'arche qui conduit le chemin. Ouais. Et ceux qui transportent automatiquement conduisent le chemin. Amen. Parce que c'est eux qui transportent l'arche. Jusqu'à vous comprenez. Amen. Tous peuvent avoir l'épée, mais regardez ceux qui ont l'épée flamboyante. Amen. L'épée qui garde le feu, parce qu'il y a une raison, comme on va le voir. Ouais. Il y a une raison. Pourquoi le feu? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, un feu consumant. Quand l'homme a péché, il a utilisé ce qu'on appelle le self. On l'a vu. La propre volonté. Ce que nous appelons le moi. Le ego. Frère, je vous dis que tous les problèmes que nous avons dans les foyers, dans les églises, la maladie, voilà l'origine. Tous les problèmes que nous avons, les mésententes dans les foyers, ce n'est pas le mari. Ne tirez pas sur les innocents. Ce n'est pas la femme. Ne tirez pas sur une innocente. Le plus grand ennemi qui trouble nos foyers, c'est le moi. Branham dit, mon plus grand ennemi, c'est William. Amen. Ce n'est même pas le diable. Amen. Ce n'est même pas le diable, votre Amen. Plus grand ennemi. Amen. Le plus grand ennemi, c'est William Branham. Amen. Donc mon plus grand ennemi, c'est Joseph Lubanza. Amen. Et si je peux vaincre ce monsieur-là, Amen. Si je peux l'écraser, Amen. Qui veut dire la bête? Alors, voilà le problème. C'est depuis ce jour-là que Dieu nous demande de l'amener en sacrifice. Dieu sait que c'est lui qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Dieu sait que c'est lui qui a coupé la réconciliation entre lui et son fils. Vous suivez? Donc Dieu ne veut plus le voir dans son royaume. Ce monsieur ici, personne, non, comment on l'appelle? Non,
Le maître de la fête entre, il dit, oh, mais ce monsieur-là vient d'où? Il est entré par où? Ou par la fenêtre? Oui, monsieur. Tu sais, vous savez pourquoi on l'a reconnu? Parce que quand vous entrez dans la fête, vous passez par la porte. Amen. Il y a un serviteur, oui. Le messager de l'heure. Amen. Il vous lave, oui. Par les eaux de la parole parlée, oui. Les eaux de séparation. Oui. Et il enlève l'habit du moi. Oui. Il enlève l'habit du moi, oui. Et il vous donne l'habit. Alléluia. Amen. De l'agneau. Et quand vous entrez là-bas, il n'y a plus le moi. Oh, moi, vous savez moi? Vous savez, moi, quand je médite, vous savez, moi, quand je prêche, vous savez qu'à moi, moi à faire, même quand j'étais dans le monde, moi, 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 moi. Alors, mais comment tu es entré ici? Parce que si tu es passé par la porte, la vie là devait rester dehors. Ici, il n'y a plus de moi, 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 moi. Ici, c'est lui. Dieu savait que pour revenir ici,
faut que le moi meure. La mort de soi. Vous dites amen. La mort de soi. Pour que Dieu vienne régner. Nous ne pouvons pas être à deux sur la scène au même moment. Si nous pas en vie, Jésus ne vivra pas. Le meilleur sermon que j'ai jamais prêché, William Branham dit, c'est quand j'ai mis Branham de côté et que Christ parle. Le meilleur sermon que j'ai pu prêcher, c'est quand je peux mettre Lubanza à des côtés et que Christ parle. Amen. Mais si tu viens exhiber Lubanza, exhiber M. Joseph, et il est ceci, et c'est un grand ministre, c'est un grand ceci, Christ n'a pas de part là-dedans. Amen. Et au lieu d'installer Christ dans les âmes des gens, nous nous installons nous-mêmes. Amen. Nous devons plutôt disparaître. Amen. Pour que Christ prenne son trône. Amen. Son royaume. Amen. Que vous êtes. Amen. 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 Oh, j'aime cela. Amen. J'aime cela. Amen. Amen. C'est le secret de toute la vie. Amen. Si on leur pose la question, qui est digne de prendre le livre, de le regarder et de rompre le sceau? On a regardé depuis Adam, tout le monde avait des mois vivants. Tout le monde est dans la tombe avec son moi. Qui veut dire amen? Depuis Adam, personne. On est passé par Bouddha, Confucius. Vishnu, si c'est Vishnu. Tous les dieux hindous là. Tous avec les moi vivants. Et ils se bagarrent entre les dieux. On est passé par le Vatican. On a vu que tous les papes avaient des mois vivants. Et on a regardé, personne ne fut trouvé digne. Alors Jean commença à pleurer. Il dit, alors ça, nous sommes tous perdus. Il n'y a pas de réconciliation possible. Et une voix lui dit, ne pleure pas Jean. Parce que le lion de la tribu de Judas a vaincu. Mais quand il se retourne pour regarder, il dit, je vis là un agneau comme immolé avant la fondation du monde. Un agneau. Alléluia. Le sacrifice de soi. Un animal qui est prêt à mourir. Il n'était pas vivant. Il était immolé. Parce qu'il avait du sang. C'est que Dieu l'avait ressuscité. Parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné lui-même. Amen. Il n'y a que l'agneau qui était digne. Pourquoi? Parce que l'agneau, vous l'entendez, j'avais moi, moi. Amen. L'agneau n'a rien. Amen. C'est l'animal le plus pauvre. Amen. Le plus inoffensif. Amen. Vous savez ça? Amen. Il était là. Mais c'est lui qui était digne. Voulez-vous manipuler le titre de propriété à une seule condition? Vous devez devenir des agneaux. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu en dit, tu as un agneau et pris les vêtements de l'agneau, le sang aspergé sur tout le corps d'Adam. Amen. Et l'habit d'Adam, c'est devenu les peaux de l'agneau. Donc quand Adam porte ça avec Ève, il marche. Quand vous le regardez, c'est un agneau qui marche. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, Amen. C'est l'agneau qui vit là. Ce n'est plus Adam qui vivait, qui peut dire amen. Ce n'est plus Adam qui vivait, Amen. C'est l'agneau qui vivait. Amen. Qui peut dire amen. Amen. Dis, je veux vous voir comme ça, des gens inoffensifs, des sacrifices de soi-même. Si vous comprenez bien ce secret, il y aura la paix dans vos maisons. Amen. Il n'y aura pas de problème entre le mari et la femme si nous devenons tous des agneaux. Amen. L'agneau est la colombe. Amen. La colombe dirigeant un agneau. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Il faut voir que le problème aujourd'hui, on a trop de boucs. Mais le pasteur n'est pas le pasteur des boucs. Il est le pasteur des brebis. Amen. Dernièrement, il y a une
une jeune soeur qui est revenue d'un pays. Alors maintenant, ils m'ont choisi comme leur pasteur. Parce que là-bas, dans le pays, là, ils avaient un autre pasteur. Alors elle a trouvé son beau-frère, qui est un grand ami à moi. Et lui, il me croit toujours comme son pasteur. Alors ils sont tous devenus maintenant mes brebis là-bas. Alors, à Jason. Maintenant, on parle. C'était sur l'habillement. Et les cheveux, parce qu'il y a des femmes qui plantent les cheveux, qui ajoutent les cheveux, ouais. Et c'est une prophétie, ce sont les fléaux. Les gens attendent les trompettes, les fléaux, ça va tomber. C'est déjà en train de tomber. Amen. Les sauterelles font que ce sont ces femmes en collant. Vous ne voyez pas que leurs jambes, c'est comme les sauterelles. Amen. Je vous dis, dit, elles coupent leurs cheveux, elles ont des cheveux comme des chevaux. Il dit, elles coupent leurs cheveux, elles plantent des chevaux, les cheveux, les poils des chevaux, pour tourmenter les hommes. Vous voyez papa là qui a des enfants, il peut faire l'accident, tourmenter les hommes. Ça y est, là, c'est pas parce que ça va. Les fléaux sont déjà là, frère, pour les filles. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. C'est terrible. Nous prêchons aux âmes en prison. J'arrive au Seychelles, j'entre le premier taxi que j'ai, le taxi me dit, oh, je vais te trouver une femme, des petites femmes là, ici. Je dis, mais toi, tu es malade, tu vois mon visage là, je cherche une femme. Je viens les sauver. Mais là, tu me demandes, moi, de vivre. Et ce n'est pas la première fois. Tous les taximens que j'ai pris m'ont dit la même chose. J'ai dit à Fernanda, là-bas, c'est l'enfer. Dieu doit faire quelque chose. Ouais. Vous savez, quand nous allons prêcher, on ne va pas seulement pour que les gens soient sauvés. Amen. On prêche aussi aux âmes condamnées. Amen. On prononce la parole, les gens, ce n'est pas que tout le monde va être sauvé. Donc que le grand réveil est déjà terminé. Amen. Nous cherchons la dernière brebis. Quand vous voyez circuler partout, on veut déclencher le départ ou la disparition de Dieu en faisant entrer la dernière brebis. Parce que je crois que nous sommes déjà enlevés. Amen. Vous voyez où cela? Amen. Nous sommes dans le processus. Amen. 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 Alors, je disais ceci. Nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Mais le grand problème, aujourd'hui, frère, c'est le moi. Alors, j'ai dit à la soeur, je ne crois pas dans ces histoires. Parce que frère Branham a dit, c'est faux. Dès que vous me voyez là, je crois frère Branham aveuglement. Amen. Si frère Branham, j'ai lu quelque part, frère Branham dit que, à partir d'aujourd'hui, tu dois porter des cordes. Je vais porter. Amen. Sans réfléchir. Amen. Il n'est pas dit que tout ce que nous faisons là, ça nous plaît. Non, nous voulons plaire à Dieu. Amen. Pas à nous. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Oui. Alors, il dit, mais comment la jupe ici, vous voyez, c'est comme si c'est pas tellement déchiré. Je vois, c'est pour que je marche bien. Il dit, au lieu que tu déchires pour que tu marches bien, alors, va faire une grosse là. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Pourquoi tu fais petit et puis tu dois encore. Et quand tu t'assois, maintenant tu commences à faire les jambes comme ça, tu sais quoi ça. D'accord. Tu te moques de qui? Alors on parlait. Elle dit, oh non, vous êtes pasteur. J'ai dit, d'abord, hein, je ne suis pas ton pasteur. Tu ne peux pas m'appeler pasteur. Je dis, pourquoi? Mais tu es mon pasteur. J'ai dit, non. D'abord, par définition, une brebis ne discute pas avec un pasteur. La brebis n'est pas intelligente. Donc, du moment que tu commences à discuter avec moi, ça montre que je ne suis plus pasteur. Tu as vu un berger avec des brebis là en train de manger et il commence à. Les brebis disent, oh, pourquoi tu nous amènes là-bas? La route c'est ici. Et le pasteur a dit, non, mais c'est ici. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, ça c'est fini ça.
Si je suis ton pasteur, tu dois croire aveuglément dans tout ce que je te dis. Amen. Je te dis que cet habillement est mauvais, mets ça dehors. Amen. Amen. Vous dites amen? Amen. Faut que le problème, on a beaucoup de boucs. Oui. Le pasteur parle comme s'il ne parle pas. Oh, le pasteur ne parle pas pour vous embêter. Oui. Il veut que votre âme aille au ciel. Amen. Choses à faire. Se sacrifier dans toute la jeunesse comme ça, pour se mettre là à parler, c'est pas pour faire du mal aux gens. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Quel intérêt je vais perdre les billets d'avion, faire perdre l'argent des gens, juste pour aller embêter et amener des gens à l'enfer? On peut faire autre chose que ça. Mais si on prend ce sacrifice, c'est parce qu'on veut que vous soyez au ciel. Amen. Peut-être maintenant vous ne nous comprenez pas, mais de l'autre côté, amen. Dis, ah, que Dieu bénisse frère Anga, que Dieu bénisse frère Joseph. Amen. Vous serez très content. Je ne vais pas être comme ce pasteur. Vous connaissez l'histoire? Quand cette fille-là a mouru, il est venu là en train de chanter les cantiques. La fille a dit, ah, quitte la séducteur d'homme. Si tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas en train d'aller en enfer. Je vais en enfer à cause de toi. Tu ne m'as pas dit la vérité. Frère, je n'aimerais pas entendre ça. J'ai assisté au départ à la maison de beaucoup de bien-aimés. Mais jusqu'à présent, je suis encouragé. Des témoignages, quand ils traversent, ils vont toujours dans le meilleur endroit. Amen. 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 Et j'aimerais continuer comme ça jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen? Et quand vous avez un pasteur qui vous dit des choses, parfois il essaie d'être dur, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Il vous veut du bien. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen? Et je disais au Zimbabwe, quand j'étais parti la fois passée, je crois, en août ou octobre, on m'a laissé prêcher aux jeunes. Bonne convention des jeunes dans l'université. Tous les jeunes de Zimbabwe sont venus ensemble. Ils ont invité leurs amis des païens. On a fait une très belle réunion avec les jeunes. Alors je leur ai dit, comme on était dans la grande amphithéâtre de l'université, je leur ai dit, ici nous sommes tous des jeunes. Je suis le premier jeune. Ici nous ne sommes pas dans l'église. Il n'y a pas d'ordre, pas de diacre, pas d'administrateur ici. On va se comporter comme on veut. Si vous voulez sauter au mur, sautez. Si vous voulez vous cogner au mur, faites tout ce que vous voulez, crier. Nous allons glorifier le Seigneur à notre manière comme des jeunes. On a une très belle... J'ai pris les jeunes là. Je leur ai montré que ça paye. Ça paye de servir. Je ne sais pas si j'ai traduit ça très bien. Ça paye de servir le Seigneur jeune. Qu'on ne vous trompe pas que quand vous êtes jeune, vous pouvez faire la vie. Et quand vous serez grand, maintenant vous allez servir Dieu. C'est pas vrai. J'ai connu Dieu à 8 ans. Et ça paye de servir Dieu jeune. Je leur ai démontré comment Dieu a utilisé les grands hommes que Dieu a utilisés. Il les appela très jeunes. Samuel. N'est-ce pas? Joseph. David. Jésus. Amen. Vous dites amen. Amen. Prenez tous ces exemples-là. Branham. Amen. Il les appela tous jeunes, jeunes, enfants, enfants, enfants. Ils ont servi Dieu depuis qu'ils étaient jeunes. Et ça a marqué beaucoup les jeunes des Zimbabwe. Ils ont changé leur vie. Depuis que je les ai laissés, ils ont organisé des campagnes d'évangélisation. Ils éparpillent le message dans tout Zimbabwe. Que Dieu vous bénisse ces jeunes. Amen. Je le dis aujourd'hui, je prêche. Jeune, parce que Dieu m'a appelé jeune. Amen. Donc Dieu aussi va vous appeler aussi jeune. C'est pourquoi vous êtes dans ce message à cet âge-là. C'est que Dieu vous a appelé à cet âge. Amen. Donc vous les jeunes, profitez-en. Amen. Dieu vous prend de cette manière-là. C'est vous qui êtes la crème du royaume dans ce pays. Amen. Ne laissez pas le diable vous tromper. Amen. Que c'est bien de marcher avec la mode. Ce n'est pas la mode. C'est la folie. Amen. Je vous dis la vérité, c'est la folie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve dans la mode. C'est des faux.
Les habits qu'on donne aux enfants aujourd'hui, c'est la folie. Amen. Il faut être fou pour porter ça. Oui. C'est pas la honte. Oui. Amen. Amen. Les maniaques marchent sur la terre. Ainsi dit William Branham. Et je prédis que toute la terre sera de fous presque. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout le monde sera hissé. Oui. N'entrez pas dans la folie des gens. Il n'y a qu'au pied de Jésus. Tandis qu'on trouva le démon de Gadara. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Au pied de Jésus, dans son bon sens. Amen. Et vraiment, il n'y a qu'au pied de Jésus que vous êtes dans votre bon sens. D'accord. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas au pied de Jésus, vous êtes fou. Oui. D'accord. Je vous invite ce soir à vous asseoir au pied de Jésus. Amen. La folie va s'arrêter. Amen. 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 Alors, on parlait de boucs. Les boucs. Au lieu d'être des agneaux. Alors, le bouc, c'est qui? C'est le moi. L'agneau, c'est Christ. Amen. Vous dites amen? Amen. Alors, Dieu dit, le bouc va mourir. Je ne veux pas le voir dans mon royaume. Il viendra faire la bagarre. Imaginez-vous un ciel plein de moi. Ah, mais ça sera la catastrophe. Mais je vous dis la vérité. Au ciel, avec plein de moi, en commençant seulement par les ministres, quel sermon vous allez écouter? Chacun voudra montrer que son sermon est le meilleur. Dieu dit non, je ne veux pas ces gars là-bas. Qu'on s'entende tous, on les laisse dehors. Ceux qui veulent entrer, laissez-les dehors. Mais comme ce monsieur-là est terrible, il peut vous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il s'est retrouvé quand même dans la fête. Oui. En sautant par la fenêtre. Oui. Alors ce que je vous demande, Branham dit, c'est pas le divorce. D'accord. Dans l'union invisible. Oui. Dit, pas le divorce. Ne lui écrivez pas une lettre de divorce. Il peut chercher la réconciliation du mariage. Ce qu'il veut, c'est la mort. Amen. 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 L'ancien mari doit mourir. Amen. Vous dites amen? Amen. L'ancien mari doit mourir. Pas de lettre de divorce. Il doit mourir. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Alors, pour Dieu, vous savez que pour être sûr qu'il est mort, souvent quand un de nos bien-aimés ou quelqu'un meurt, le médecin doit faire ce qu'on appelle le constat de la mort. Alors Dieu, lui, il a aussi son constat de la mort. Au lieu de, que le médecin se vienne constater, il dit non, 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 il peut y avoir des, une erreur. Le médecin peut se tromper. Je vais installer mon constat. C'est là où Dieu installa son premier constat de la mort, qui était le feu. Il dit, si quelqu'un est mort, on le met sous le feu, il va consumer sans sentir qu'il est mort. Mais s'il est vivant, il faisait semblant de mourir, il va sauter. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est un feu consumant. Pour qu'il soit sûr que vous êtes réellement mort, alors si vous êtes mort, passez par le feu. Vous dites amen. Il mit les chérubins à la porte de l'Éden pour garder la rentrée. Pour que quelqu'un rentre là, il doit mourir et ainsi accepter le feu. L'épreuve du feu. Écoutez, Pharaon dit, chassé du jardin d'Éden, maintenant, j'aimerais que vous notiez que quand Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, sont venus pour faire une offrande, je crois que le grand chérubin était à l'est, le côté est de la porte, avec une épée qui tourbillonnait devant et derrière, gardant cette porte-là d'entrée en Éden. Notez, notez, notice, notez. Le feu du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Gardant la porte. Amen. Donc merci Seigneur pour Malachi 4. Amen. Disons merci Seigneur. Il fallait un prophète pour venir dénicher que l'épée flamboyante, c'était le Saint-Esprit. C'était le feu du Saint-Esprit. Il faut un prophète pour voir ça. Amen. Gardant la porte, le feu du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui gardent la porte. Aujourd'hui aussi. Amen. If you are scared of Holy Ghost and fire, you'll never get in. Si vous êtes, vous avez peur du Saint-Esprit et du feu, vous n'entrerez jamais. Amen. Vous n'y entrerez jamais. Amen. Voilà mes frères. Même le Saint-Esprit dont les gens parlent, juste tomber, se rouler par terre, c'est pas ça. C'est les mois sont vivants. Monsieur, les mois sont bien vivants. Suivez bien l'histoire, comment ça va se poursuivre dans toute la Bible. Mais vous voyez les mois dans la Bible? D'accord. Oh, le feu en colère. L'épée de Dieu. God is a consuming fire. Watching that tree. Guarding that tree of life. Dieu, c'est un feu consumant. Gardant cet arbre-là. Gardant cet arbre de vie. Dieu garde la vie éternelle par le feu, frère. Suivez bien ce que je vous dis, c'est très capital. Dieu garde l'arbre de vie par le feu. Vous ne toucherez jamais la vie éternelle sans passer par le feu. Parce que notre Dieu, c'est un feu consumant. Il dit, il continue. Genèse 4. Non, Genèse 4. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, vous regardez, frère, quand vous lisez comme ça, vous ne voyez pas très bien la scène. Alors, le prophète lui vient. Parce que le prophète a vu toute la Genèse. Vous savez ça? Il dit qu'il a vu le serpent. Il a vu ce qu'il a fait avec Ève. Il voyait ça devant lui dans une vision. Il a même mesuré la taille du serpent. Ah oui? Vous comprenez? Il a vu toute la scène devant lui. Alors c'est lui qui vient vivifier la Bible pour vous. Alors quand nous lisons ça, on se pose la question, comment est-ce que Adam, ou bien plutôt Caïn, a su que Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur son sacrifice? Et comment Abel, lui, a su? Et comment Caïn a su que Dieu vient d'agréer l'autre? Parce que il est dit seulement que l'Éternel jeta un regard favorable. Les catholiques nous dessinaient que Caïn, son hôtel est ici, Abel, son hôtel est ici. Alors, quand ils ont sacrifié, la fumée d'Abel est allée tout droit comme ça. Et ils ont dit que chez Caïn, ça c'est Abel, chez Caïn la fumée elle est comme ça. Alors il a su que non, Dieu n'était pas d'accord. Ça c'est des histoires. Vous comprenez? Montez de toutes pièces. Mais écoutez le prophète de Dieu. Avec le pouvoir de l'infaillibilité. Amen. Je l'appelle le dictionnaire du temps de la fin. Amen. L'encyclopédie même. Amen. Universelle. Amen. Tout ce que tu veux connaître, tu
tout ça. Amen. Ah, comment Caïn, quand il a fait son autel, aussi beau, plus beau que celui d'Abel, il a offert les fruits, il a donné ses dîmes, il a mené son revenu dans la maison du Seigneur. Il s'est mis à genoux et il a levé les mains. Il s'est agenouillé, il s'est incliné, il a prié, il a adoré, aussi sincère qu'un homme peut l'être. Mais Dieu confirme, oh j'aime ça, merci Seigneur pour ça, madame. But God vindicated Abel by consuming his sacrifice. Dieu confirme Abel en consumant son sacrifice. Remarquez que ce n'est pas Abel qui a mis le feu. Donc ils ont mis chacun. L'autre a mis le fruit, n'est-ce pas? Vous voyez comment les Chinois mettent beaucoup de fruits sur leur hôtel? Ils doivent avoir l'origine de Caïn. Et pardon, c'est mon ami un peu provoqué. Alors ici, nous avons Abel. Ils ont mis, et puis ils étaient là, ils adoraient. Tout d'un coup, un feu sort du ciel. Tous ont vu. Et il s'est mis à brûler. Il a fait disparaître tout le sacrifice. C'est devenu seulement le sang. Parce que Dieu, c'est un feu consumant. Amen. Si Dieu t'accepte, il doit consumer ton sacrifice. Amen. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'accepte, il doit consumer le moi. Amen. Le moi ne doit plus exister. Amen. Dans ta bouche, dans ta pensée, Amen. Dans ta façon de marcher, Amen. Dieu a consumé le moi. C'est le plus moi qui vit, parce que le moi est consumé. Amen. Alors Dieu a accepté ton sacrifice. Il a dit que non, la mort est vraie. Amen. C'est une mort parfaite. Amen. Ce n'est pas un faux semblant. Amen. Pendant que Dieu nous parle, nous nous mirons dans son miroir qui est la parole. Amen. Si je vois que je ne suis pas encore arrivé à ce point, je dis Seigneur, aide-moi. Amen. Le moi est encore là. Amen. Si tu m'as parlé ce soir, c'est que tu as vu Amen. La profondeur de mon cœur. Je ne pense pas que cette prédication pouvait être donnée si ce n'était pas une question qui était en vous. C'est un désir qui était en vous. Et Dieu a voulu voir. Amen. 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 Dieu confirma Abel par en consumant son sacrifice. Amen. Amen. Genèse 15. Que Dieu vous bénisse pour l'atmosphère que vous avez créée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit se sent à l'aise. Amen. Ce soir. Amen. Genèse 15, vous pouvez lire tout à la maison, mais je vais lire à partir du verset 9 pour gagner du temps. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et chaque morceau l'un vis-à-vis, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel, il faut entendre que ce sommeil, c'est la mort. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent.
entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, un fleuve d'Euphrate, le fleuve d'Euphrate jusqu'au grand fleuve, donc le pays des Cananéens, des Kéziens, des Cadomiens, des Éthiens, des Périsiens, des Réphaïens, des Amoréens, des Canaéens, des Guigaziens et des Jébusiens. Amen. Alors, encore une fois, Abraham va nous dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Écoutez ce qu'il dit, il interprète sur cette écriture, il dit « Et quand le soleil est descendu, maintenant écoutez, listen, une profonde, horrible obscurité de sommeil vint sur Abraham. Vous rappelez-vous de cela? Cela représente la mort à chaque homme. Mais la vraie mort, c'est la mort de soi. Amen. Et avant, devant lui, une fournaise fumante. Chaque pécheur mérite d'aller en enfer. C'est ça la fournaise fumante. Mais au-delà de cela, elle a une lumière, une petite lumière blanche. Vous voyez, chaque homme doit mourir de la mort de séparation et aller en enfer. Mais, au-delà de cela est partie une petite lumière blanche. Cela est allé entre les sacrifices, selon les flammes. Entre les chèvres, le bélier. Vous voyez, il a pris cela et il est allé entre les deux, confirmant Abraham. Voyez-vous, il est allé pour confirmer Abraham. Pour confirmer Abraham, Dieu amena une lumière blanche, des flammes de feu sur le sacrifice. Et vous voyez que cette lumière-là, frère Abraham dit que c'était la confirmation. Amen. Pour confirmer quelqu'un, le feu doit venir. S'il n'y a pas de feu, oubliez ça. Amen. Alors il continue dans 1 Roi chapitre 18, verset 24. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît très bien. Un roi chapitre 18. Écoutez, vous pouvez lire ça. Vous connaissez bien l'histoire. Il dit. Verset 23. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Amen. 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 Et moi, j'ai préparé l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Et le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est bien dit. Amen. Voyez, un prophète reste un prophète. Amen. Et ça, c'est l'esprit d'Élie encore. Élie ayant la révélation que Dieu répond par le feu depuis le jardin d'Éden, il les a piégés. D'ici, ce que vous faites est vrai. Mettez là votre taureau. Moi, je mettrai mon taureau ici, mais n'y mettez pas le feu. Surtout pas le feu. Vous prêchez bien, vous donnez le sacrifice, mais ne fabriquez pas le Saint-Esprit. Ne fabriquez pas des excitations. Ne commencez pas à sortir, à faire ceci pour provoquer le feu. N'y mettez pas le feu. L'Éternel est Jéhovah Jiré. Il pourvoira son feu. Si vous avez bien fait votre sacrifice, il répondra. Si ce n'est pas encore fait, reprenez l'expérience du Saint-Esprit. Retournez à l'autel. Mettez-vous à genoux. Mourez correctement. Tuez bien le taureau. Le moi. Mettez-le sur le bois. La croix. Amen. Amen. Et maintenant, attendez.
ensemble. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Amen. 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 Alors, voilà ma commande. Vous voyez, et le Dieu qui répondra par le feu. Et quand ils sont arrivés à la place, Élie a dit, montons qui est Dieu maintenant, le Dieu enflammé, en feu, notre Dieu, our God, is a consuming fire. Amen. Let the God answer by fire. Notre Dieu, c'est un Dieu de feu consumant. Laissez que c'est Dieu qui répondra par le feu. C'est ça que je dis ce soir. That's what I say tonight. Amen. C'est ce que je dis ce soir. Let the God that answers by fire, the Holy Ghost and fire, let him be God. Amen. Si Dieu ne descend pas dans cette église, mes frères, par le feu et le Saint-Esprit, c'est que tous les sacrifices que nous avons faits est zéro. Chers bien-aimés prédicateurs, nous pouvons amener les enfants de Dieu dans l'eau, les baptiser. Nous pouvons les conseiller à faire d'eux des bons chrétiens. Elles s'habillent la très belle de longues robes. Elles laissent leurs cheveux pousser. Ils peuvent jeter des cigarettes. Ça, ce sont des sacrifices. Mais si le Dieu ne répond pas par le feu et le Saint-Esprit pour consumer les mois, Dieu n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Il y a quelque part, nous avons broché. Revenons à l'original. Le retour au jardin d'Éden, c'est fait par le feu. Et le sang. Le moi doit mourir. Le moi doit mourir, mes frères. Le grand problème, nous avons réceptionné les gens dans l'église. Au lieu de les faire passer par le processus normal, nous les avons fait contourner par la fenêtre. Ils connaissent les tonnerres. Ils connaissent si Jésus est venu ou n'est pas venu. Ils connaissent tous les mystères, mais sauf celui-là, du feu. Amen. Aujourd'hui, nous commençons à dire, ah, même les frères agissent comme ça. Vous êtes surpris qu'un frère, après beaucoup d'années dans le message, rétrograde. Mais il n'avait pas d'abord cette expérience au départ. S'il était mort, le moi était mort, il était brûlé, mais il n'y a pas de chemin de retour. C'est la rivière de non-retour. Le moi ne va plus jamais ressusciter. C'est pourquoi Dieu veut qu'il soit brûlé. Aujourd'hui, on calcine les gens, on incinère les gens. Beaucoup de gens le font maintenant. Mais ce n'est pas les corps que vous devez incinérer, frère. C'est le moi. Amen. 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 Il meurt complètement là, on le met là. Ici réside les cendres du moi de Joseph Rubaz. Réside où? Dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Oubliez complètement, frère. Quand les gens me verront, ils ne me verront pas moi, ils verront Dieu. Amen. Ils verront Christ dans ma vie, amen, dans ma façon de parler, amen, dans ma façon de prêcher, amen, dans ma façon de marcher. Il n'y aura pas le moi. Amen. Vous n'êtes pas venu ici écouter le moi. Vous êtes venu ici écouter Christ. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de prédateurs prêchent, mais c'est les moi qui prêchent. Au lieu que nous laissions Christ prêcher, c'est le moi qui prêche maintenant. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. C'est pourquoi, pour traverser le Jourdain, c'est les ministres et même les premiers avec l'arche qui devaient entrer. Amen. Ah oui, c'était les premiers à entrer. Mm. Pour que les enfants de Dieu traversent. Amen. Les ministres entrent les premiers. Mm. Mais ils restent là. Pendant que les enfants de Dieu traversent, ils restent là. Pour que la mort soit complète. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Voyez-vous, frère, il dit, Élie leur a donné un défi. Donnez le taureau. Chacun a choisi, l'ont coupé en morceaux. Et dit, donc, put no fire under. Put no fire. Arrangez tout ça. Mais ne mettez pas le feu. Appelez
vos dieux, j'appellerai le mien. Le Dieu qui va répondre par le feu. C'était quoi, frère? C'était le type de la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'était le type de la nouvelle naissance. La mort de moi, qui est le taureau, n'est-ce pas? Placé sur le bois, il est mort. Et le feu vient le consumer, il n'existe plus. Et vous êtes nés de nouveau, dans une nouveauté de vie. Amen. C'est pourquoi Élie, après avoir tué le roi, il a dit, amenez l'eau. On l'amène la première fois l'eau. Ils disent, non, ça c'est l'aspersion. C'est le baptême, l'immersion. Ouais. Amenez encore. Amen. Amenez encore. Ouais. Jusqu'à ce que la Bible dit que tout le sacrifice était plongé complètement, noyé dans l'eau. Ouais. Pourquoi c'est le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous baptisons des pécheurs secs, ils sortent de l'eau des pécheurs mouillés. Mais Élie n'a pas baptisé le sacrifice avant de l'avoir tué. Il était d'abord tué, alors on l'a baptisé dans l'eau. Et après le baptême, alléluia, le feu est descendu. C'était conforme à la parole. Le feu a brûlé tout. Notre Dieu, c'est un feu consumé. Est-ce que vous dites amen? Si votre vie n'a jamais changé, le moi est toujours là. La même colère est toujours là. Le même entêtement est toujours là. Le même égoïsme est toujours là. C'est que Dieu n'a jamais consumé votre vie. Amen. Et Dieu n'a jamais agréé votre sacrifice. Amen. L'occasion vous est donnée ce soir. Amen. Dieu vous invite. Amen. Les faux prophètes sont venus avec leur sacrifice. Ils ont essayé de provoquer les sensations, frère. Sautiller, tournoyer autour du feu et autour du sacrifice. Mais le feu n'était pas là. C'est pour voir les gens avec les sensations. Ils sautent à l'église, ils font ceci, ils courent, ils se roulent par terre. Mais là, quand le Saint-Esprit vient, il fait faire quelqu'un ça. Ne dites pas que ça ne se fait pas. Ouais. On doit faire la part des choses. D'accord. Ici, je ne dis pas de fabriquer. Mais si c'est le Saint-Esprit qui tombe sur toi, après avoir consumé le sacrifice, il peut te jeter par terre. Il peut te rouler par terre. Il peut te faire courir dans la salle ici. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous n'allons pas le recevoir d'une autre manière. Ah oui, bien-aimé. Qui peut dire amen? Ah oui. Balaam l'a eu de cette manière. Nous aussi, on doit l'avoir de la même. Est-ce que vous dites amen? Mais c'est quel est le principe dans tout ça? C'est consumer le sacrifice. Consumer le moi. Le moi doit disparaître, frère. Voyez-vous, mes frères pentecôtistes, avec ces fausses sensations, vous dites aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit parce qu'ils ont parlé en langue. Mais j'ai vu des démons parler en langue. Mettre les bics là-bas, écrire dans des langues inconnues. Mais cela ne veut rien dire. Ça doit être la vie. Parce que par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Amen. C'est le fruit du moi ou c'est le fruit de Christ. Amen. Amen. Je crois que c'est cela la parole de Dieu. Voyez-vous, les faux enseignants, ils conduisent les gens à croire dans les sensations, à cet homme, à faire toutes ces choses, à avoir des sensations bizarres et à avoir des lumières. Et ainsi de suite, et jusqu'à les aveugler, et avoir des manteaux d'Élie, et tout cela. Vous voyez, nous sommes les fils de Dieu manifestés, et tout ça. Mais après, quand vous voyez qu'est-ce qui se passe, ils sont battus dehors par le diable, par les démons, les péchés. Ils ne peuvent pas aller loin dans leur vie. Même devant un petit démon, démon de tête, on tremble. Démon de dents, mal de dents, on tremble. Parce qu'on n'a pas une expérience avec Dieu. On n'est jamais passé par l'épreuve du feu. Quand tu passes par là, frère, le cordon ombilical n'existe plus. Tu n'as plus de père ici. Mais là, tu n'as qu'un père céleste. Ce que j'ai vu, ça ne concerne personne. Je ne m'inquiète que de mon père. Je suis comme Jésus.
Ne servez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Amen. Amen. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Parce que je suis passé par le feu. Le monde est brûlé. La tribu est brûlée. Tout est brûlé. Je dépends maintenant du ciel. Quand le Saint-Esprit me touche, je me tiens debout. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Même si toute l'église se fâche. Amen. Ça ne me regarde pas. Amen. J'ai fait ça pour laisser le Saint-Esprit se sentir à l'aise. Amen. Sinon, je vais mourir. Amen. 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 C'est quelque chose à moi qui me pousse à le faire. Amen. Avant, j'avais honte, je me gênais, on va se moquer de moi, on va me ridiculiser. Mais comme le moi n'existe plus. Amen. Qui me dit amen. Le moi n'existe plus. Le gars qui avait honte n'existe plus. Amen. Le gars qui écoutait les chants n'existe plus. Amen. Qui me dit amen. Vous avez déjà un cadavre. Vous venez sur un cadavre, vous cachez. Idiot. Imbécile. Et puis le cadavre, il est mort là, il ouvre le. Il dit, tu blagues avec moi parce que je suis déjà mort. Si j'étais encore vivant, tu allais voir. Et puis il ferme encore. Ah, mais tout le monde va fuir. N'est-ce pas vrai? Oui. Même les gens qui pleurent vont prendre le fouet. Un cadavre qui bouge. Ah, ça c'est grave. Mais on t'insulte, tu te fâches. Ils m'ont insulté. Ah, sœur. Mais tu m'en croyais que tu étais déjà morte. C'est pourquoi on amène les tests là. Amen. Qui peut dire amen? Si on vous injurie, on vous critique, c'est pour passer le test du feu. Amen. Est-ce que vous êtes réellement mort ou pas? Amen. 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 Et tu connais. Je n'aime pas ça. Tu ne me connais pas. Moi, quand j'étais encore dans le monde, j'étais un léopard. Ah. C'est le message qui nous a fait comme ça. Ah, mais vous blaguez avec les gens. Il est encore vivant. Dieu dit, je ne signe pas le certificat. Tu me dis amen. Le constat n'est pas là. Il est encore vivant. C'est pourquoi toutes les difficultés que vous aurez dans le foyer, entre le mari et la femme, Dieu vous teste. Dieu t'a dit de checker. Qui est encore vivant, qui est encore vivant. Qui veut dire amen. Alléluia. C'est pas toutes les difficultés que nous avons sont nécessaires. Amen. Dieu permet que la femme se trompe, qu'elle fasse une erreur, le mari fasse ceci. C'est pour voir si on est déjà mort ou si on est encore vivant. Et que Dieu nous vienne en aide. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Que Dieu nous vienne en aide. Le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit lui le véritable Dieu. Qui peut dire amen à cela? Voyez-vous, mes frères, il dit ceci. Peu importe combien de sensations vous avez. On est mort. Amen. On peut continuer? Amen. Amen. Écoutez, je reprends un peu. Je voulais sauter un coquin de feuille. J'y reviens encore. Amen. Amen. Voyez-vous, mes frères, c'est ça les faux prophètes. Ils ont assez de paroles pour rendre cela faux. Mais la Bible dit qu'ils ont une forme de la piété. Une forme de la piété. Une forme, une partie de la vérité. Mais ils renient la puissance de quoi? La puissance pour redresser les vies des gens. Afin que les gens soient différents, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils n'aillent plus dans les parties des danses, qu'ils n'aillent plus vers les choses de ce monde. Où la Bible condamne de couper les cheveux, les faux prophètes vont dire non, ce n'est pas, il n'y a pas de différence. Ils disent que les gens ont le Saint-Esprit. Mais ils autorisent des choses que le Saint-Esprit interdit. Pourquoi? Ils reçoivent toutes ces choses et disent qu'ils ont reçu cela de Dieu. Comment ils me disent que moi je suis un prophète, que je devais enseigner aux gens l'algèbre, au lieu de leur enseigner, je devais plutôt leur enseigner comment recevoir les dons, avoir des visions. Alors, on dit, comment je peux leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent rien de l'ABC?
La verset qui veut dire always believe Christ. Croire toujours Christ. Amen. Et le connaître. Le connaître, c'est la vie. Amen. La vie, frère. Amen. On doit sentir qu'il y a une différence. Nous vivons une vie de la parole. Si vous n'avez pas la force de la prière, c'est parce que vous n'êtes pas passé par l'épreuve du feu. Si vous passez par là, vous ne prierez pas, lui il priera. Si tu ne veux pas prier, il va prier. Qui veut dire amen? Lui il va prier. Il ne peut pas rester sans prier parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. S'il est en vous, il va vous réconcilier avec lui. Amen. Tu ne sens pas comment prier, tu vas prier. Amen. Tu ne sens pas comment aller à l'église, il va t'amener ici de force. Amen. Tu ne sens pas comment chanter, il va te faire chanter. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, amen, c'est lui qui vient. Amen. Oh, gloire à Dieu! Voyez-vous, mes frères, ils amènent les gens là, ils disent, allez, blanchissez votre pensée, enlevez tout de votre mémoire, de votre pensée, et commencez à dire, remplis-moi, 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 remplis-moi. Et vous savez ce qui se passe? C'est le diable qui va le faire. Pourquoi cela? Parce qu'ils essayent d'atteindre là-bas par un raccourci. Ils essayent d'atteindre le ciel par un raccourci. They want a shortcut to heaven. Alléluia. Have to do this. Non. Ne faites rien, frère. Oh, alléluia, alléluia, j'ai le manteau d'Élie. Oh, je vais chasser les démons, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous, il n'y a pas de raccourci au ciel. You come the way of Calvary. Amen. Vous venez par le chemin du Calvary. Amen. Même Jésus lui-même. Dieu devait se rendre compte qu'il est réellement mort. Frère, on a dit qu'il est mort d'une mort parfaite. Amen. Aussi longtemps qu'il y avait le souffle, rien ne s'est passé. Le Saint-Esprit a dit l'observer jusqu'à ce qu'à la fin il dit, Père, j'ai remis mon âme entre tes mains. Il rendit le souffle. Amen. Donc même la dernière goutte de la vie quitta Jésus, alors Dieu entre en scène. Dès que Dieu voit que vous rendez l'âme, Amen, qu'il prend la relève. Amen. C'est lui qui devient le capitaine du bateau. Amen. Automatiquement. Amen. Parce que le mort a quitté, Amen, alors lui-même il prend sa place. Amen. Il reprend son autorité. Amen. 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 C'est pourquoi là-bas il n'y aura pas de soleil. L'agneau sera son soleil. Amen. Là-bas, il n'y a pas de trône. L'agneau lui-même est le trône. Amen. L'agneau lui-même est le temple. Amen. C'est que Dieu lui-même conduit l'homme. Amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Vous dites amen? Amen. Le meilleur de tous les âges. Amen. Le premier, ils ont marché avec les locomotives. Après, ils ont fait la voiture. Après, on est passé à l'avion. Après, c'est la fusée. N'est-ce pas? Amen. Mais ce qui est intéressant, vous allez remarquer que dans tous les autres véhicules, on utilisait le même carburant. Ouais. Même sorte de carburant. Amen. Il y a des plantes, des Amen. Fossiles, des pourritures. Amen. Vous savez que le pétrole vient de la pourriture, oui, des déchets organiques, et tout jusqu'aux avions, c'est les déchets, la pourriture qui fait marcher toutes ces histoires-là. Tous les âges, les dénominations, les pentecôtistes, les luthériens, tout ce monde-là, ils avaient la même sorte de carburant. Et
Mais ce qui est étonnant, il y a un conducteur avec un volant. Mais quand vous arrivez à l'âge de l'aigle, dans l'astronaute, c'est le seul véhicule où le pilote n'a pas de direction. Le septième saut, l'astronaute descend. Et quand nous sommes positionnés là, on croise seulement les bras. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit. C'est maintenant le temps de l'entrée en scène de la personne la plus auguste. Est-ce que vous dites? Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Le moi est resté dans les autres véhicules. Dans cet âge, pas de moi. C'est le plus moi qui vit. Mais c'est Christ qui vit. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Voyez-vous, frère, tout cela va partir. Peu importe combien de sensations vous avez. Vous êtes toujours un fils, un enfant de Satan, jusqu'à ce que vous soyez mort au monde et vivant en Christ. Ce n'est pas par la langue, ce n'est pas dans son esprit. Aucune de ces choses ne peut vous reposer là-dessus. C'est la mort, it's death and birth. A change nature, a change disposition. C'est la mort et la naissance, une nature changée, une disposition changée. The old things are dead. Les anciennes choses sont mortes. New things are new. Les nouvelles choses sont nouvelles. The world is dead and God is new. Le monde est mort et Dieu est nouveau. Amen. Une nouvelle nature de Dieu prend place. Amen. Le désir du monde est parti. C'est le désir de servir le Seigneur. Amen. God is your life. Dieu est ta vie. The world is dead to you. Le monde est mort à toi. Amen. Ça ne t'attire plus. Amen. Les choses qui t'attiraient ne t'attirent plus. Pas que tu forces, tu ne souffres pas. Amen. Qui me dit la même? Amen. Qui peut dire amen? J'étais dans. Souvent, quand je voyage, une fois j'ai parti à Singapour. Alors, l'hôtesse est venue. Monsieur, vous prenez quoi? Du whisky? Je dis non. Du vin? Je dis non. Je dis quoi? Je dis non, du jus. Il dit, ne me dites pas que vous êtes une femme. Je dis, ah, si c'est ça, pour une fois, je serai une femme. Vous savez, frère, je disais un jour à mon église, quand je suis là-bas, ou quand je voyage, je suis quelque part, il n'y a pas de frère. Je peux faire le mal ou le péché. Mais ça n'est pas moi. Personne ne me voit. Mais il y a juste quelque chose en moi qui ne me permet pas de le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai peur. Vous dites amen. Amen. Non, quelque chose s'est passé. Amen. Je n'ai plus envie de ça. Le vin ne m'attire pas. Ça ne me tente pas. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quelque chose s'est passé. Amen. Je n'ai pas fait un effort. Dieu est intervenu. Amen. 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 C'est comme Frère Kalim, vous le connaissez, il était venu une fois ici. Alors il me racontait l'histoire. Il dit, il était dans l'avion un jour. Il était derrière. Alors, un frère d'une église est entré, il s'est assis là, devant lui. Et le frère a bien regardé, il n'y avait personne qui le connaissait dans l'avion. Alors, l'hôtesse est venue, les hôtesses sont là. Vous allez boire quoi, monsieur? Il a dit, une bière, bien tapée là. Alors, là, c'est la bière, on a vu là. Il était en train de boire, il a un frère quand une bière, il était là. Il a attendu. Le frère a pris quand le verre était déjà descendu. Alors, il sort. Que Dieu te bénisse, frère. Dit, le verre est allé à l'air. Non, si tu as envie de boire, bois. Même devant le pasteur, tu dis que Dieu te bénisse, pasteur. Tu n'es pas encore sauvé.
parce que notre Dieu, c'est un feu consumant. Ne jette pas les coups de robe parce que j'ai dit non, que Dieu touche ton cœur et que Dieu brûle ce désir-là. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen? Même quand on peut te les donner gratuitement, tu ne les regardes même pas. Amen. Ça te fait vomir maintenant. Amen. C'est ça que Branham dit, le changement de nature. Amen. En fait, c'est une délivrance. Amen. C'est ce qu'on appelle conversion. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est pas que je veux faire ça, mais à cause des frères. Toujours frère Caillou. Un jour, il était. Ça aussi, moi, après, maintenant, moi aussi, j'ai vécu ça avec un frère. Alors, il venait là, il a vu un frère de loin avec la cigarette. Alors, mes frères ne le voyaient pas. Mais là, il fait comme bien doucement là. Frère, que Dieu te bénisse. Le frère. Ah non, le frère, quand il a dit, frère, quand il est venu, il a mis la cigarette dans la poche. Alors, frère, quand il est venu. Il a serré la main et il a tenu la main là. Que Dieu te bénisse, frère. Amen, frère. Alors, quand il l'a tenu fort, il ne voulait plus le faire partir. Alors, il dit, comment, frère, la soeur, ton épouse à la maison, ça va? Ah oui, frère, et les enfants, oh, ça va, et tout le travail. Ah, le frère. Notre Dieu, c'est un feu consumant. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Vérifiez. On ne vous condamne pas. Vérifiez. Si ça est là, ça est là. Notre nature, la nature de naissance, ne peut qu'aimer ça. Notre nature, c'est la nature du péché. Nous sommes vendus par naissance au péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est pourquoi Dieu vient nous délivrer. Amen. Alors écoutez, nous ne changeons pas notre nature. Ouais. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de mourir. Amen. Le moi meurt. Alors si le moi meurt parfaitement, alors Dieu vient maintenant brûler la vieille nature. Amen. Et c'est lui qui vous change. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La mort, c'est vous qui mourrez, mais le changement de nature, c'est Dieu qui vient exaucer votre sacrifice. Amen. Dieu vient agréer, montrer que vous avez le désir de mourir, vous voulez sa nature, alors lui vous vient en aide. Amen. Parce qu'il sait que par vous-même, vous ne pouvez pas changer. Amen. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle qui puisse exister. Amen. Changer un pécheur en un saint, incroyable. C'est le plus grand miracle. Amen. Je vois que vous dites amen. Amen. Alors, le monde est mort. Dieu est votre vie. Alors, votre sacrifice, aussi longtemps que le monde est encore là, vous aimez encore le monde et les choses du monde. Mon frère, vous êtes séduit. Your sacrifice hasn't been accepted yet. Votre sacrifice n'a pas encore été reçu. Votre nature, your nature hasn't been changed. Votre nature n'a pas été changée. Donc, comment est-ce que Dieu reçoit votre sacrifice? En changeant votre nature. Amen. Vous n'avez plus le désir des choses du monde. Ça ne vous tente plus. Ça vous dégoûte. Ça vous rend malade. Amen. Dès que vous sentez ça, vous savez que Dieu m'a sauvé. Amen. Je ne suis plus la même personne. Amen. Ce n'est plus l'hypocrisie. Oui. Non, c'est une nature. Amen. Est-ce que vous dites amen? Vous ne forcez pas, vous ne faites pas pour plaire au mari. Vous ne faites pas pour plaire à votre femme, au pasteur, ou à votre parent, papa, ou votre maman. Non, vous le faites parce que c'est une joie. Amen. Si vous ne le faites pas, vous sentez comme si vous allez mourir. Amen. Baal ne pouvait pas consommer son sacrifice. Mais si votre sacrifice a été reçu par Dieu, but if that offering has been received by God, it consumed. The world is dead. You are gone. For we reckon ourselves dead and buried. We are dead. We are hid in Christ, hid in Christ. Amen. Amen. Mais si
Si votre offrande a été acceptée, reçue par Dieu, vous, cela est consumé. On ne peut plus se rappeler de ça. C'est allé dans la fumée, frère. Le monde est mort à vous. Vous êtes fini, parti. Parce que nous nous reconnaissons morts à nous-mêmes et enterrés. Nous sommes morts, cachés en Christ. Et en dehors de cela, après cela, nous sommes morts, enterrés, cachés en Christ. Alors nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. You are dead. Nos âmes ont été placées sur l'autel du jugement divin. Amen. Vous vous rappelez sur notre dessin, nous avons montré l'âme, n'est-ce pas? Avec la porte. Maintenant, nos âmes ont été placées sous le jugement. C'est pourquoi? Pour tuer le self. Self-will. D'où viens-tu? Self. Self-righteousness. Self-justice. Self. Alors, quand lui il est mort, nous nous plaçons sur l'autel de Dieu. Dieu vient, nous le tuons et Dieu vient le brûler. Et cette porte-là change. Ce n'est plus le self. Mais là, ça devient la volonté de Dieu. Amen. Amen. Christ, loin. Vous êtes un loin de Dieu. Amen. Alors vous devenez l'habitation de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de venir habiter. Dieu peut vous dire, allez à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Vos goûts, c'est les goûts de Dieu. Vos désirs, ce sont ses désirs. Vos pensées, ce sont ses pensées. Dieu et l'homme deviennent un. Vous êtes nés dans son royaume. Est-ce que vous dites amen? Alors, when that sacrifice is received, if God accepts the sacrifice, is it clear now? Si Dieu accepte ce sacrifice, est-ce que c'est clair maintenant? Vous mourrez, vous êtes effectivement consumé, vous êtes pétrifié. Il n'y a plus rien de vous qui reste, juste cette forme extérieure. Plus rien de vous reste, seulement la forme extérieure. Alors vous vous tenez là juste comme le serpent d'airain. Comme Christ était, quand on l'a pris là-bas sur la croix, mort, froid à la croix. Vous êtes mort. Pourquoi? Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Quel jugement? Quel est son jugement? Quand le jugement a été placé, quelle était la sentence de la pénalité? La mort. Et quand vous placez votre âme sur l'autel du jugement, alors vous êtes mort. Et le sacrifice est reçu par le feu. It goes up like that. Vous voyez, quand vous brûlez, la fumée, c'est le centre dans l'air. Donc, votre sacrifice s'en va. Il dit, ça va monter. And the smoke goes up. You rise with your sacrifice unto heavenlies. Vous montez, vous élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes. Amen. Alors vous êtes scellés loin des choses du monde. Amen. Donc votre désir ne concorde plus. Les gens ne vous reconnaissent plus comme un membre de leur famille. Vous êtes scellés loin des choses du monde. Le même Dieu qui était avec le sacrifice d'Élie au Mont Carmel, c'est le même Dieu de qui nous parlons. Amen. Quand vous mettez votre âme sur l'autel du jugement, qu'est-ce qui se passe? S'il est le même Dieu, il prendra votre sacrifice. Vous l'offrez en sincérité sur son autel. Il va consumer le sacrifice-là et le monde vous quittera. Amen. Juste comme la fumée s'en va, le sacrifice est parti. Oui, messieurs, si Dieu reste Dieu, déposez votre âme pécheresse sur son autel. Amen. Si Dieu reste
son hôtel. Amen. Il va toucher cela avec sa parole. Amen. Comme ce soir, Amen. Dieu touche votre cœur. Amen. Vous sentez blessé. Amen. Vous reconnaissez que ça c'est moi. Amen. Je ne suis pas réellement encore mort. Amen. Ça c'est Dieu qui me parle. Amen. C'est quoi? Il a touché votre cœur. Amen. Le feu est déjà prêt. Amen. Quand c'est comme ça, le feu est déjà prêt. Amen. 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 Et alors, vous serez une nouvelle créature si Dieu reste Dieu. S'il est le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Et vous savez alors, là-bas au fond de votre cœur, que l'œuvre surnaturelle a été faite par une œuvre, par un être surnaturel. Alors vous qui étiez ivrogne une fois, vous qui fumez la cigarette, vous qui trompiez, vous qui aimez les femmes qui aimaient le monde, vous les coureurs de jupons, vous qui aimez porter les shorts et couper les cheveux, toutes ces choses-là, sans partie, que vous, les choses que vous aimiez faire, sont totalement parties. Et vous trouvez que vous êtes quelque chose s'est passé en vous. Amen. Tous les démons de l'enfer ne pourront plus jamais vous le faire faire. Amen. Quelque chose s'est passé. Amen. Un miracle a été fait par Dieu. Amen. Quoi? Ça a changé votre cœur vil, changé vos désirs sales, changé votre nature. La parole surnaturelle, par un Dieu surnaturel, a fait qu'une créature de temps devienne une créature de l'éternité. Amen. Amen. Et cela a enlevé le monde de vous. Amen. Et a placé Christ dans vos cœurs. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Quand on dit Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Quand Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ça veut dire que je ne suis pas encore, je n'ai pas encore atteint la gloire. Amen. Mais l'espérance de la gloire. Amen. Que un jour j'atteindrai. Amen. 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 Laissez-moi donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne suis pas ce que je dois être. Amen. Je ne suis pas ce que je veux être. Amen. Mais une chose est certaine. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Il est déjà dans mon cœur. Amen. Le fait qu'il est dans mon cœur, j'atteindrai la perfection. Amen. Malgré mes hauts et mes bas, j'atteindrai ma perfection. Amen. Les gens croient que quand tu es sauvé, tu ne peux pas tomber. Non. Il y aura des hauts et des bas. Amen. Mais sauf que tu es scellé. Amen. 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 Tu lui appartiens définitivement. Amen. Il sait que tu reviendras demander pardon. Amen. Parce que tu es scellé. Amen. 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 Tu reviendras demander pardon. Amen. Tu pleureras. Amen. Comme Branham. Amen. Quand il a menti, il était déjà scellé. Amen. Il est allé pleurer. Amen. Il s'est repenti. Amen. Parce que tu lui appartiens. Amen. Il ne peut plus jamais te perdre. Amen. Personne ne l'ôtera de ma main. Amen. Ah, est-ce que vous dites amen? Amen. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu consumé. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu consumé. Amen. Ne présumez pas, frère. Si Dieu, c'est Dieu qui consume, you don't have to presume. It's God consumes. C'est Dieu qui consume. Amen. Ne présumez pas, non, je sens que c'est comme si Dieu, non. Si Dieu a consumé, il a consumé. Amen. L'autel des reins consume le sacrifice. Si le sacrifice est déposé sur l'autel et que cela n'était pas consumé par Dieu, donc Dieu a refusé ce sacrifice. Si un chrétien est ici ce soir, et que depuis qu'il est dans ce message, le sacrifice n'a pas encore été consumé. Le moi, le péché c'est pas fumé, le péché c'est le moi. Amen. Fumé c'est le fruit du péché. Vous dites amen. Amen. Mais le moi, si ce gars-là n'a pas encore été consumé ce soir, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Amen. Dépose ton âme sur l'autel. Amen.
et le feu du ciel consumera ce fils. Ta femme saura que cet homme est sauvé. Amen. Ton mari saura que cet homme est sauvé. Amen. Parce que quelque chose s'est passé. Que Dieu bénisse. Thank you, Lord. Si Dieu a touché votre cœur, levez simplement la main. Petit Père, pense à moi dans ta prière. Seigneur notre Dieu, je lève ma main ensemble avec mes frères. Même si Père, j'ai prêché, Seigneur, moi aussi ma main est levée. Parce que il y avait toujours un sacrifice perpétuel devant Dieu. Paul pouvait dire, je meurs chaque jour pour que Christ puisse vivre. Sur moi, Seigneur, il y a toujours des moments où nous branchons, Seigneur, où le moi veut prendre les dessus. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que c'est l'âme qui est sauvée et non le corps, il y a souvent le combat, Seigneur. Couvre-moi par le sang de Jésus. Mes frères ont les mains levées. Peut-être certains ont déjà fait cette expérience. Que tu sois béni, Père, pour ces bien-aimés âmes. Puisses-tu les rapprocher encore davantage de toi. Et que cette prédication qui est sortie soit quelque chose qui les a secoués. S'ils étaient devenus négligents, Seigneur. S'ils commençaient à faire partir le feu, éteindre le feu devant ta face. Que ce feu soit rallumé encore. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés, Père. Mon âme va pour eux, Seigneur. Amen. Mon âme est blessée pour eux, Seigneur. Oui. Je pleure pour eux, Seigneur. Oui. Puisses-tu les sauver, Seigneur. Oui. Je vais le voir dans le royaume. Oui. Qu'ils passent par une nouvelle expérience. Amen. Car notre Dieu, c'est un feu consumant. Amen. Consume-les, Seigneur Jésus. Oui. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Scelle-les dans le royaume. Cache-les loin de ce monde. Cache-nous, oh Dieu, par une expérience authentique. Par un feu du vin, Seigneur. Alléluia. Laisse que ce feu tombe ce soir. Que le feu du ciel tombe ce soir. Et consume tous les sacrifices. Mes frères ont les mains levées. Ils ont accepté de se déposer sur l'autel du jugement des dieux. Ils se sont fait juger, Seigneur. Ils ont accepté le jugement de la parole. Ils acceptent ce que la parole a dit. Seigneur, maintenant, paix. Que le Saint-Esprit, comme dans le jour de la Pentecôte, descende, oh Dieu, et consume les cœurs, consume les âmes, consume les vies, et que la nature change. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni à chacun. Sois glorifié, Père. Nous croyons, Père, que ce soir, tu as traité avec chacun. Alors que nous avons montré ta main. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.
enveloppe. Le message qui nous nettoie. Le message qui nous prépare. Le message qui nous fout du bien. Les bénédictions vont partir. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel que nous voulons, Seigneur, pour ton sauveur. Le feu de mon cœur pour arriver. C'est ça le feu, Seigneur. C'est le feu du divin. Je voulais des cas hier à qui j'ai parlé, les
Seigneur nous a parlé ce soir. Nous a parlé ce soir. En tout si compliment aussi. Il n'est pas venu ici dans le vide. Dieu a voulu remettre sur les rails. Dieu ne l'oublie pas. Notre maison n'est pas ici-bas. Il est déposé. Nous avons fait la gloire. Touch your people, come on, say.